I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
Bonjour à tous, c'est Bernard et bienvenue sur ce live. On va attendre encore un petit peu, on va discuter un peu ensemble. Donc bonjour à tous. Il y a le grand Mick qui m'a rejoint en vocal sur le Discord. Je vais bientôt mettre en place un Discord également. Donc il n'est pas... Voilà, il faut attendre encore un petit peu. Bonjour à Lunaventura. À Medici, Kevin, Yannou, Arthur, Lali. Bonjour à tous et merci d'être présents. On va lancer live d'ici quelques instants, comme on reste un petit peu à discuter. Je surveille les indicateurs du live pour voir si on ne perd pas trop d'images. Ça va. Sinon, je descendrai un petit peu. J'ai monté la résolution du live à 1080p. Et au besoin, je redescendrai à 720p. Hello! Live en fond, quand je ferai du Phasmo, j'aurai moins peur. C'est ça. Ah, je vois qu'il y en a qui ont des emojis de Skell. J'ai pas encore fait les miens. Hello Z3Days, Z3Dali, Arwen Delta.
Oui, ben, il faut les faire, hein. Il faut les faire ou faut les commander. Je pense que je les commanderai parce que je veux des trucs un peu précis. Donc, je vais regarder ça. Je vais regarder ça un petit peu ce week-end. Je vais garder pour les faire faire. Donc, faut que je vois combien ça coûte. Voilà. Ah, moi aussi, je les ai les emojis comme je suis Skell, Mitsu, etc. J'ai les emojis de tout le monde. Enfin, tout le monde. Pas de tout le monde, mais de ceux de la team. Alors, normalement, ce soir. Donc, je ne sais pas si le grand mix, si toi, tu joues avec nous. Ce soir, je ne sais pas. On fait du arc ce soir. Donc, je sais pas si tu te joins à nous sur arc ou si tu restes. C'est comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, ok. Ah, bah oui, donc du coup, faut attendre un peu, le temps que ça te déco tout seul. Il y a Archdrooms qui va nous rejoindre aussi, mais je pense plus vers 9h30. Et on ira faire, ce soir on fait des éléments, parce que j'ai besoin d'éléments. Ça file, donc et comme on reste connecté, ça part dans le générateur. Donc on va se connecter tout de suite au jeu. Tac, on va faire rejoindre. Ouais. Ah mince. Ouais. Ah, c'est la vague 4, c'est con ça. Bon, la vague 4, c'est la plus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la plus dangereuse. Après la vague 5, des fois, t'as moins de choses. Mais bon. Les éléments, ça se consomme vite, ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Allez, le jeu est lancé. C'est parti. Taper à 1500 sur Ah. l'échiquier. Ouais, attendez. Faut que je modifie un petit truc parce que du coup. Hop. Tac. Là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. J'étais encore sur Horizon. Là, je suis dans mon petit caveau, là. Comme un Goa'uld, comme un vampire. Du coup, pendant les congés. Alors, si tu parles à Mick, on l'entend peu. Moi, je l'entends. Ah. Mais. Ok. Bah là, après, je peux pas monter ton volume plus haut parce que sinon, je vais t'entendre un peu trop. Enfin. Et normalement, au niveau du bureau. Ouais. Bah, du coup, t'es sur le son Discord, toi. Normalement, c'est à fond sur le son Discord. Hein. Donc, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. C'est une tombe, c'est clair. Allô, allô, test 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce qu'on entend Mister Mick? Ah, je peux pas vérifier sur ton live tant que mon jeu n'a pas fini de charger. Ouais. Allez, hop, on va sortir du caveau. Voilà. Ah! Bon, Voilà. apparemment, là, c'est bon. Là, c'est bon? Ok, nickel. On entend beaucoup mieux. J'ai augmenté un peu ton son. Sinon, Ok. comment ça va pour toi aujourd'hui? Bah écoute, ça va. Au niveau du boulot, c'était un peu plus calme que lundi, que hier. Hier, c'était un peu la folie. Et là, c'était un peu plus calme, donc je vais pas me plaindre. J'ai même eu le temps d'aller faire un petit tour. Hello Arnobec. J'ai eu le temps de faire un petit tour sur le live de Varg et celui de Nesendil, pour te dire. Un petit tour, hein, je suis pas resté longtemps. Moi, j'ai pas été voir le live de Varg, j'aimerais bien faire le jeu Resident Ouais. Evil. Bah, moi, j'y vais pas suffisamment longtemps pour me faire spoil, donc. Allez, du coup, on va lancer un petit peu ça. Tac. Donc, oui, ce soir, soirée élément. Et on terminera peut-être avec un petit parcours. Un petit parcours sur Genesis. Si vous êtes sage.
Par contre, j'irai me coucher à maximum 22h. Ouais, pas de soucis. Bah, ouais. Moi, je vais pas faire trop tard non plus. Je vais pas faire trop tard non plus dans le sens où... Mais pourquoi est-ce que... D'accord, je sais pas pourquoi je t'ai bloqué. Oui, il faut que j'aille pas me coucher trop tard parce que ces derniers temps, je suis allé me coucher un peu tard. Et là, le matin, quand je me lève, ça pique un peu. Ça pique un peu, donc je vais pas faire trop tard non plus. Mais bon... Ouais, ça fait un peu tôt quand même. Tac. Je vais prendre encore ça. Et ça, on jette. Hop là. Normalement, si tout va bien, peut-être pas demain, parce que ça va faire juste. Mais après-demain, vous aurez un petit, une petite vidéo tuto encore, que j'ai tourné tout à l'heure. Faut penser à se reposer, oui. Ah, Shadow 44, oula, 44-110, Primalfear sur Ragnarok. Ouais, c'est cool, Primalfear. On avait fait une série sur Primalfear, je crois, il me semble. Oui. Et c'était sur Ragnarok également. En plus. Allez, on va les poser tous. C'est la map qui va bien pour les modes. Ouais, ouais, tout à fait. Surtout avec les majuscules, d'accord. Hop, alors, je vais mettre ça ici. La poudre d'élément. Moi, il m'en reste deux. Alors, peut-être que j'en fasse un autre aussi. Il y en a un qui est mort la dernière fois. Tac. Bon, bah c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Oui, du coup, je suis en grand week-end, donc je vais encore bosser demain. Je vais encore bosser demain et du coup, je suis en week-end. Voilà. Jeudi, vendredi, puis après c'est le week-end classique. Donc je suis en train de me tâter pour... parce que du coup j'ai super bien aimé être avec vous sur Horizon. Franchement ce jeu, je l'adore. Et je pense que on va se faire des petits lives. 10h30, 10h30 midi et demi. De toute façon ici chez moi ça dort. Du coup... Hey, salut le grand nounours. Du coup, chez moi, ça dort. Horizon, il était bien. Et à ce qui paraît, il y a une suite de prévu. Oui, 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 ils ont une suite de prévu. Mais bon, moi, je joue sur PC, j'ai pas de PS4. Donc, la suite de prévu, elle est pour l'instant sur PS4. Donc, moi, je suis sur PC. Donc, du coup, j'ai juste le premier épisode. Il y a un DLC qu'on fera également. Et puis après, ben, on verra quand ça sortira sur PC. On enchaînera sur l'autre. Bon, pour l'instant, on vient de recommencer Horizon. Donc, voilà, je pense faire ça. Sur PC plus vite que le 1. J'espère aussi, parce que du coup, ouais, ça a mis plusieurs années. Entre 5 et 10 ans pour arriver. Ouais, bon, 10 ans peut-être pas, mais 5 peut-être, ouais. 5 peut-être. On verra ça. On verra ça. Je veux rien me spoil sur le jeu. Ah! Ah bah écoute. Pas de soucis. Bon du coup, oui, jeudi, vendredi matin. Puis du coup, samedi et dimanche, ça va faire 4 jours de suite. Donc l'aventure de sur Horizon, donc ça va l'avancer bien comme il faut. Si on se fait des lives, allez, on va dire 1h30. Je veux pas non plus 1h30, 2h à tout casser. Ouais, voilà. Il a mis 4 ans, et puis qu'il est sorti en 2017. Ouais, 4 ans, ouais. C'est pas de ça, tiens, il y a une complète édition gratuite en temps limité. Gratuite en temps limité. Ah, d'accord. Bon, moi, je suis sur PC, donc voilà, j'ai pas de console. Enfin, si mes enfants ont des consoles, mais pas moi. Ok, là, je suis en train de tourner en rond. Du coup, on va les regarder. Allez, monte là-dessus. On va les regarder pour...
On va regarder les cabanes de Castor. Et après, on ira faire un tour à l'extérieur pour voir si on repère une veine à 50 000. Donc l'objectif de ce soir, c'est de trouver une veine à 50 000 et de la faire avec le grand Mick, Archdrooms. Même en faire deux, hein. Bah, si tu veux, si tu dois attendre 21h30, autant attendre un petit peu avant d'aller la chercher, sinon elle va dépop. Ouais. Oui, je vais pas y aller tout de suite. Une fois que tu l'as vu, ça dépop vite. Ouais. Allez, on ramasse un petit peu le ciment. Bah, du coup, j'irai peut-être faire un tour. Il y en a une là. Il est mort? Non, il est pas mort. Il est coincé. Oui, il s'est barré. Je sais pas où il est. Alors, je récupère juste ça et le reste, on jette. Tac. Ok. Donc, généralement, c'est par là. Donc là, il n'y a plus rien. Et puis sur Arc, ben on va se faire un petit peu de tamis aussi. On va commencer à faire les Basilo X. J'irai regarder aussi. Là, ouais. Que je fasse grandir le Basilo que la dernière fois. Ouais, peut-être. On ira voir aussi sur la Lune. Il y a pas mal de Rex Tech. Donc pour améliorer ceux que j'ai déjà. Ils sont déjà pas mal, mais visiblement pas suffisamment. Pas suffisamment. Allez, du coup on va aller au deuxième endroit. Sur cette map, il y a grosso modo trois endroits assez faciles d'accès pour trouver du ciment, enfin des cabanes de castor. C'est donc sur la petite rivière là, dans le centre-ville. Au niveau du marais ici. Hop. C'est un plésiosaure qui nous a passé. C'est un plésiosaure, ouais. Mais je l'ai pas fait grandir non plus, hein. Faut que j'aille le faire grandir également. J'aille le faire grandir. Ouais, sans doute. Sans doute. Bon, bah là, il n'y a pas beaucoup de cabanes de castor. Je regarde le chat. Et Luxfy! Content de... Je te suis tous les soirs la semaine dernière. Cool! Ah, c'était quoi? Ah, Uchita, cool! Effectivement, je me rappelle de toi. Eh bien, écoute, bienvenue à nouveau avec ton nouveau super pseudo. Donc, Luxfy. J'espère que je prononce comme il faut. Ah, j'étais coincé dans je sais pas quoi. Bon, visiblement, il n'y a que dalle ici. Ah, du coup, on va aller à l'autre endroit qui se trouve là-bas. La tour verte. Faut qu'il y ait de l'eau, hein, c'est tout. Il y en a aussi dans le biome souterrain. Mais bon, c'est un peu plus chiant pour y aller. Hop. Oui, c'est bon. En fait, c'est le son du jeu qui surpasse la voix de Mike. Ah. Ah, alors, attendez. On va régler ça tout de suite. Je vais le mettre dans un coin. Ah, ouais, bon. Bref. Allez, option. Volume principal, on va le baisser un petit peu. On va le mettre comme ça. Je vais le descendre encore. Ah, merci. Ah, ben Luxfy pour... Effectivement, tu t'avais suivi avec ton ancien pseudo. Ah non, c'est un abonnement. Ouh, j'ai pas encore en tête les sons. Ah non, c'est un abonnement de niveau. Hein. Ouais, tout à fait. Et ben merci, écoute, pour ton abonnement. Volume de l'environnement, on va le baisser un petit peu aussi. Voilà. Sauvegarder. Allez,
Mais arrête. Hey. Hop là. Voilà. C'est plus que c'est comme ça. Du coup, est-ce que ça va... Pardon. Est-ce que ça va un petit peu mieux, là? J'ai baissé un petit peu le son du jeu. Donc, normalement, vous devriez entendre le grand mic un peu mieux. Du coup, ça a l'air d'aller. Ta partie représente combien de temps de jeu? Ça va, on l'entend. Ok, c'est cool. Le son du jeu est pas trop fort. Du coup, j'ai découvert un nouveau spot pour les loot. Ah ouais? Mais c'est à l'extrême nord-ouest. D'accord. Bon bah écoute. En gros, tu as un caillou d'un côté, de l'autre côté c'est une chute. Et du coup, il y a deux endroits où ça spawn. Et ces deux endroits, bah, c'est la bordure. D'accord. Ok. Alors attends, du coup, parce que moi je l'entends un peu beaucoup le grand Mike, je vais baisser légèrement son son. Je vais te mettre comme ça, ça devrait être bon. Bah au pire, tu as qu'à baisser le son, mais à la sortie de ton casque. Non, parce que j'ai le son du jeu aussi. Donc. Hop. Voilà. Ouh. Bonne pioche. Et des fois on n'en trouve pas, ouais. Alors là. Les dinos ils sont restés. Tels quels qu'ils étaient quand le loot y était cassé. Et ils sont en train de casser mon. Ah! Ils sont en train de tout casser chez toi, c'est ça? Non, mon émetteur. Ah, d'accord. Ah oui. C'est pas cool ça. Alors, j'ai une question. Ouais. Ta partie représente combien de temps de jeu? Je ne sais absolument rien. Je sais que j'ai regardé récemment combien de temps j'avais joué à Ark. Donc tout confondu, hein. Ça fait un petit moment que je... Je crois que je dois être à 6000 heures de jeu sur Ark. Ce qui est quand même assez impressionnant. Enfin, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je trouve. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, la partie là, celle sur, sur Cluster, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Bon, un petit temps quand même. Hein. Un petit temps quand même. Hein. Oh, allez, elles vont sauter. Allez, saute. Allez, hop, les derniers en bas. Ok. Allez, on va revenir ici. Voilà, ça lag toujours un petit peu quand j'arrive. C'est normal, il y a du monde, le temps que ça charge le coin. Allez, hop. Comme je vous ai dit, j'ai l'ankylo ici. Comme ça, quand j'arrive. Voilà, on va virer tout ça. Enfin, la pierre en tout cas. Et quand il est plein, hop. C'est quand déjà, ça doit faire au moins 6-7 mois. De quoi? Ah! Le cluster. Bah, c'est assez simple, hein. Il suffit de regarder les vidéos, mes vidéos cluster sur, sur YouTube. Et vous voyez tout de suite quand j'ai commencé. Hein, parce que, comment dire, la première vidéo, c'est... C'est quand on a comment... C'est quand on a commencé à jouer. C'est quand on a commencé à jouer. Elle allait visiblement, elle est surface moi, elle a mis mon live en fond. Comme ça, elle entend ma voix rassurante. Bah ouais, ça a commencé en septembre 2020. En septembre? Ah, la vache. Ah mais de toute façon, on en a encore pour un certain temps. Hein. On en a encore pour un certain temps. Mais bon, c'est sympa. Allez, on va les se vider. Tac. Bah techniquement il reste plus beaucoup de maps, il reste Genesis partie 2, Crystal Idol, il y a
Les Hunter. The Center, ouais, et puis l'autre map là, comment elle s'appelle, celle que j'aime bien avec les, ah merde, je trouve pas mes noms. Il y a l'océan souterrain, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ah, on a perdu le grand Mick. The Center, tu veux dire Valguero? Valguero, c'est ça, Valguero. Je vais mettre là, je suis plein. Là aussi, c'est plein. Je vais ça. On va rassembler la viande. J'aime bien Valguero, moi. Je sais que Mitsu et Skell l'aiment pas trop. Mais moi, j'aime bien. Perso, j'y ai pas assez joué pour dire si je peux jouer. Moi, j'ai pas mal joué. J'ai fait pas mal de repro de Basilo dans le là-dedans. Allez, hop, on va ranger un peu ça. Voilà. Oui, c'est ça, Valguero. Aberration, on l'a déjà faite. On l'a déjà faite, Aberration. Bah, ça se voit hein, d'ailleurs. Hein. Lui, il vient d'Aberration, Ragnar. Du coup, je vais aller regarder si j'ai tout ce qu'il faut ici. Si je dois pas aller sur une autre map chercher un truc. Non. Alors, combien j'ai de giga du coup? Ah non, j'en ai encore 3 giga. Je vais prendre lequel. D'accord. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Par contre, j'ai pas vu. Je pense qu'elle doit être sur. Sur Genesis. Ouais, je pense qu'elle est sur Genesis. Alors, pour aller sur Genesis, si je veux pas vider mon costume, il faut que je laisse là. Ça, je laisse aussi. Et ça aussi. Et là, on peut y aller. Allez, je vais aller sur Genesis chercher le reste des bestioles. Ah, ils ont retiré. J'avais même pas. J'étais même pas au courant. Ils ont retiré Aberration de Valguero. La map que j'aime le moins, c'est Vicenter. Franchement, je sais pas pourquoi, hein, je sais pas pourquoi, mais Vicenter, bof. Bah, c'est qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, aussi. C'est vrai. Mais ouais, c'est la map que j'aime le moins. Hop, on ouvre ça. Tac, on fait l'échange. Ça, je laisse tourner. De toute façon, je vais revenir. Allez, on va faire un petit tour sur. Du coup, je vais prendre ça. Genesis, c'est parti. J'aime bien les ruines de. Ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup exploré non plus Vicenter. Je pense que quand on sera sur Vicenter, je vais. Plus aller faire un tour sur sous l'eau pour voir ce qu'il y a. Ah. D'accord. Ok. Moi, je savais pas qu'ils avaient retiré les Rock Drake et tout ça de Valguero. Ouais, je pense qu'ils veulent garder l'exclusivité sur Aberration. Ouais, j'ai jamais. Enfin. Faut dire qu'on n'a pas. Franchement, quand on a été sur Valguero, on n'est pas resté longtemps. Et. Du coup, ouais, on n'a pas beaucoup exploré la partie Aberration. Donc. Allez. On va vérifier un peu que nos bestioles n'est pas trop fin. Tu seras testé dans 5 biomes. Chacun a
Oui, ça, c'est... Allez, on va augmenter un peu le gamma. Je serai avec toi à chaque étape. Fais appel à moi quand tu veux te téléporter d'un biome dans un autre, ou quand tu veux dépenser les hexagones que tu vas gagner. Normalement, je dois avoir ici... Ces missions sont la manière dont la simulation te teste, pour prouver que tu es le survivant absolu. Mais avant toute chose, nous devons explorer un peu les environs. Je cherche ma mantis. À partir te balader. Est-ce qu'elle est pas... Non, normalement elle est pas restée là-bas. Je l'ai peut-être posée et je l'ai pas trouvée. Sur la dernière fois que je l'ai prise, c'était pour aller faire des éléments. Et elle était... Elle était par là, mais il me semble que je l'ai prise. Ouais, il n'y est plus. Non. Bon, du coup, j'ai dû la louper. Elle doit être sur... Mute pas Elena. Hein? Tu mute pas Elena? Ouais, je sens que je vais le faire. Elle me gonfle. Elle me gonfle. Je vais vérifier quelque chose aussi. Parce que du coup, j'ai vu la dernière fois, j'ai vu un Basilo. J'ai vu un Basilo 150. Alors, par contre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs dans la flotte. Bah, du coup, on va s'équiper un peu. On va s'équiper un peu. Allez, normalement, j'ai vu. J'ai vu le Basilo par là. Je sais pas s'il y a encore. Et à l'inverse, c'est quoi la map que tu préfères pour Guerreau? J'aime bien Valguero, j'aime bien Ragnarok. J'aime bien Ragnarok comme map. Alors, il est combien le ça ou elle? Tac. Bon, merde, pour la là. Difficulté. J'aime bien Aberration. 90. Ouais, non, c'est Aberration que je préfère parce que c'est la plus belle. Mais qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Non mais oh. Du coup, je cherche mon Basilo 150. Bon, je regarderai un peu plus. C'est quoi ça? Ah, c'est une tortue. Non, il va où? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en Wyvern, mais tu vois le bug quand tu descends, elle continue d'avancer. Ah, ouais. Ça, le problème, c'est qu'il y a les droits vers les Rex rouges qui étaient en mode statique. Bon, bah, je sais pas. Je sais pas où c'est passé. 300, quoi. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Bon, bah, de toute façon, on en trouvera un autre, hein, s'il a des pop. Allez, du coup, bah, on va retourner sur... Hop. Ils ont encore à bouffer. Il n'y a plus grand chose. Hein. Enfin, j'en remets. Bon, après, ils sont pas morts de faim. Hein. Lui, c'est bon. La viverne aussi. On va passer en dessous. Lui, c'est bon aussi. Et lui, pareil. Bien classe. Ouais. Transférer vers extinction. Rejoindre. Hey Yannou, voilà, tu vas te coucher, bonne heure. Et ben bonne nuit, écoute. Bonne nuit à toi, merci d'être passé. Ouais, c'est vrai.
Rockwell, oui, ça pique un peu. Mais attendez de voir le... Comment dire? Ouais, le King Titan, ou mieux, enfin je vous spoil pas, de toute façon on a déjà fini, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, mais le boss de Genesis, ça vaut le détour aussi le boss de Genesis. Alors. Ouais, bah oui, t'as raison. Alors, elle est où ma... Ah mais elle est là! Pff, mon Dieu, j'avais sous les yeux. Allez. Je l'avais sous les yeux. Du coup, je vais prendre ça aussi. On va reprendre ça. J'ai un peu remis en couleur ma tenue. Elle est classe comme ça. Je trouve. Donc moi, mes couleurs, c'est le... Du coup, les couleurs noires, c'est ardoise. Ensuite, la couleur... que je mets aussi sur la couleur du coup qui fait un peu marron comme ça, que je mets également sur les murs en métal, c'est mandarine et jaune pour les lumières. Donc je trouve ça pas trop mal. Hop, on va se mettre le chapeau. Ok, ça marche. Une réflexion, mais tu risques d'être un peu déçu. Ah bon? Où ça? Ça fait un petit peu marron comme ça. Ah! Non, non, ça fait un peu cuir, ça fait marron cuir. Et du coup, sur les... Comment dire? Sur le métal, le mandarine, mais ça rend de ouf, je trouve. Ça fait un côté bronze et tout, c'est magnifique. Ben moi, je trouve ça beau. Ah oui, il faut qu'on se termine ça aussi. Il faut qu'on se termine ça. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on attend Archdrooms. J'avais envie de le laisser ouvert en fait, ça. Mon Dieu, je suis toujours aussi doué avec ces trucs, moi. J'avais envie de le laisser ouvert. C'est-à-dire. Oh, ça me fait chier là. Franchement, ça m'emmerde, ça. Ça m'emmerde prodigieusement. Bah là, le triangle là qui s'est positionné comme ça me fait chier, ça. Je peux pas t'imaginer. C'est mon côté. Je suis du signe de la Vierge et du coup, il faut que ce soit toujours nickel. J'aime pas ce genre de truc. Mais là, je pense que je vais pas pouvoir y faire grand-chose. Voilà. On va essayer, je vais essayer de le ramasser pour voir si je peux pas le mettre. Ah oui, il y a un décalage. Mais oui, il y a un décalage, mais le décalage, il est depuis en Tu dessous. peux rien y faire. Bah, je peux pas y faire grand-chose, non. Non, je te dis, le décalage, il y est. Non, c'est Voilà. tout simplement Arc qui fait que avec les fondations en triangle, tu as toujours des décalages. Ouais, donc soit je l'ai d'un côté, soit je l'ai de l'autre. Et ça m'emmerde prodigieusement. Alors, du coup, ben, je vais faire... je vais mettre juste, je pense, un tour en bois. Donc, il me faut des... Des murs en bois. Est-ce que j'ai ça? Ah, est-ce que là, au niveau de... Waouh! J'en avais 8, hein? La vache! Ah, c'est là qu'il faut que je... C'est là qu'il faut que je fasse attention. Parce que bon, décidément, j'en ai quand même quelques-uns, mais... Après, je les conserve pour d'autres trucs. Tac, je vais prendre ça. Il m'en faut d'autres. Est-ce que j'en ai encore? Oui, ça va! Ça va, je suis pas en manque. Allez, 23, ça devrait le faire. Allez, on va monter par l'escalier. Tourne les cotons. Ça, c'était dans Pollux, un dessin animé. De quand j'étais petit. Donc, ça date pas d'hier. Hein. Allez, hop. Ok. On va le mettre voilà, dans ce sens-là. Ouais, et puis là, ça va faire chier aussi. J'ai pas trop le choix de toute façon.
Ouais, ça me plaît moyen, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Parce que du coup, là c'est nickel. Et là, il y a juste celui-là. C'est là où il y a le truc. Et juste sur celui-là, c'est lui qui fait chier en fait. Du coup, là, ça fait moche. Et là aussi. Mais je ne peux pas y faire grand-chose. Je ne peux pas y faire grand-chose. Allez. Hop. Tac. Ok. Et le dernier. Oh, c'est pas mal. Plus du haut. Donc en fait là, je vais y laisser comme ça. Et là, on va mettre... Alors c'est là qu'aussi qu'on va, je pense, bien s'emmerder. Je vais mettre des triangles, voilà, des plafonds inclinés. Je pense que ça va être un peu casse-pied. Mais bon. Bah, Mr. Archdrooms, je vais regarder si j'ai pas des nouvelles. Toujours pas de nouvelles de Mr. Archdrooms. On va peut-être aller repérer. Je vais poser mes murs. Parce que du coup, moi, ce soir, j'avais prévu ça. Vous voyez. J'avais prévu ça. Bon, après, s'il vient pas, on fera autre chose. 55. C'est marrant, c'est que sur une course, j'ai récupéré 7 casques tech. Ah ouais? La vache. Sur laquelle de course? Je sais plus, je peux pas. De toute façon, comme je les ai tous enchaînés. Ouais. Moi, j'ai pas tout fait encore en course. Hein. Il me manque celle de... celle de la tourbière. 160 d'armure. Ouais, c'est pas mal. Là... 260 d'armure? D'accord. Ouais. Bon, après, moi, j'ai fait avec des schémas et puis des compétences d'artisanat. Donc, forcément, là, c'est un petit peu mieux. Je préfère les biquettes. Ah, les Globetail. Alors. Ah, les Bulldogs. Moi, je les appelle Aziz. Parce que, vous savez, dans le cinquième élément, il y a la réplique célèbre. Aziz, lumière. Donc du coup, comme les bulldogs font de la lumière, du coup, je les appelle Aziz. Je trouve ça mignon, comme nom. Ouais, mais je trouve ça sympa comme nom. Allez, fais-moi le blanc. Tac. Voilà. Ouais, moi j'aime mes préférés, c'est. Enfin mes préférés au niveau de ces. De ceux-là, hein. J'aime bien les bulldogs. Je trouve ça, ils sont rigolos. Bon, après dans la réalité, je suis pas très. Je suis plutôt chat que chien. Vous avez pu constater hein, quand je vous ai présenté les trois. Du coup, vous avez vu les trois en vidéo. Les trois chats. Donc je suis plutôt chat que chien. Et au niveau des chiens, je suis pas très bulldog en plus. Mais je trouve que les bulldogs d'aberration, ils sont sympas. Ils sont sympas, les bulldogs d'aberration. Hop. C'est mon petit rituel. Hein. Donc là, si on fait ça de temps en temps et tout ça, ça évite de, bah, de faire des grosses sessions de farm. Enfin, que moi, je trouve un peu chiante. Mais bon, du coup on fait ça un petit peu tout le temps. Ça mange pas de pain, ça prend pas beaucoup de temps, on n'y sent pas passer. Et au final, après on arrive à avoir ben, pas mal d'items. Du coup, c'est sympa.
Ok. Alors on va relancer. C'est ce que je viens de remettre. Le truc, on va le mettre. On va le mettre ici, en brailleur. Bim. Bon, du coup, il y a Mr. Archdrooms ne semble pas trop se... Voilà, comme je vous dis, Aziz. Et voilà. Ah, bah, d'ailleurs, il a pris des niveaux, Aziz. Allez. Capacité de charge, on va le monter. Bon, ici, il ne sert pas à grand-chose. Hein. Bon, je vais regarder si je repère une veine à 50 000. Du coup, ça t'intéresse de venir la faire avec moi, la veine à 50 000 si j'en vois une. Ok. Parce que du coup, Archdrooms n'a pas l'air de se décider. Allez, j'éteins ça. On le remettra en route après. Allez, du coup, je vais aller... j'ai pris une... Ouais, c'est bon. Allez, on va commencer à aller rôder dans le... Dans le désert. Pour trouver... je vais aller par là. Il y a des emplacements un peu pour les vernes à 50 000, pour les vernes à 10 000. Mais vaut mieux tous les regarder comme ça. S'il y en a une veine à 10 000, tu peux toujours la taper. Ouais, ouais, c'est ça. Pour que ça repop. Allez, du coup. Tac. Oui. Oh. Attends, il fait un peu n'importe quoi, mon truc. Voilà. J'ai des masses, j'ai cassé mon agarme. Normalement, il peut y avoir une veine ici, mais là, il n'y en a pas. Du coup, on va aller sur des chemins un peu plus classiques. Sur les veines que je préfère, c'est celle qui a du côté du biome aberration. Oui. C'est plus simple à safe. Ouais. Oh, un petit allez. Mais si t'as de la chance, parce que si t'as pas de la chance, tu peux tomber sur des drops. Non, non, pas des drops. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, le dino qu'on trouve sur Aberration qui s'enterre. Ah oui, des queens. Voilà, des reapers. Alors normalement ici, c'est plutôt une veine à 10 000 qu'il y a. On va reprendre un peu la stam. Normalement, on a un ici aussi, mais là il n'y en a pas. Oui, il y a deux groupes, hein, la team chien et la team chat. Moi, je suis plutôt team chat, bien que, quand j'étais gamin, on avait des chiens à la maison. Je vais tous vous calmer, moi je suis team de poisson rouge. Poisson rouge. J'ai eu des poissons rouges aussi, mais du coup, ils n'existent pas assez longtemps, des poissons rouges chez moi. Tiens, bah, y a une queen ici, Reaper. On va se la faire, la Reaper. On va remonter un peu là. Ah merde, je vais mourir. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'ai chuté. Ah merde. Du coup, on se fait aider par le... Par le Stego. Elle reprend un peu la stam. Ah ben, la Reaper, elle est à fond sur les Stego, hein. Du coup, on va en profiter. Voilà.
Voilà, merde. Je suis dans le nuage, c'est pas grave. Allez, on va continuer à regarder. Tiens, je vais me prendre un peu de viande. Pendant que j'y suis. Donc normalement, il peut y en avoir un ici aussi. Il n'y en a pas. Voilà, c'est le coin des Reapers. Elles ont une sale couleur, les Reapers. Hello, Kako. Je sais pas prononcer ton pseudo. Kako Br. Non. Kako BRTT. je suis pas le champion pour prononcer les pseudos. Hein. Je vous le dis. Je sais pas. Mettez, prenez des pseudos plus simples. Je sais pas, comme Béronard par exemple. C'est facile à prononcer. Ou le grand Mick. Ou Mitsu, Skell. Bon, Skell, après, je suis habitué à le prononcer. Donc. Ça fait un petit moment qu'on joue ensemble, skill, du coup. Skill, tu veux dire? Hein? Skill? Skill, tu veux dire? C'est vrai que ça se prononce plutôt de E, ça fait I, hein, ça fait pas E. Bah les gars, c'est pas les veines qui étouffent, hein? Vache! Je vais aller regarder un peu par là-bas. Il y a un drop, en tout cas. On va aller peut-être le faire des pop. Comment dire en français ce que l'intonne? Ce que l'intonne, ouais. Ouais. Ah, c'est un drop rouge. J'ai pas trouvé de... Comment dire? J'ai pas trouvé de veine. On peut se faire un drop rouge si tu veux. Je suis pas sûr... De survivre. Oh, je vais le déclencher, je vais continuer à chercher. Extinction. Ah. Allez, on va déclencher le drop. Le drop rouge. Ouais, non, il y a beaucoup trop d'accès, on n'aurait pas réussi à deux. Ouais. Oh, en tournant. Enfin bon. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a... Pour en trouver de... qui avec Arche avec nous. Ouais. Bah laisse-le au pire. Je ne le déclenche pas alors. Je m'en vais. Ah oui. Ah, c'est sûr que... Ouais, les Rock Drake à la surface, c'est pas cool. Bah, puis les Rock Drake face aux Reapers, font pas trop le point, hein, enfin... À chaque fois, je tombe sur le même arbre, dans le même arbre. Ah. Alors, on va faire un petit tour ici. Pour voir s'il n'y a pas... La course roi du swing avec les blues talker, il faut que je le réussisse. Ah, ouais, je pense que je la ferai. Et je la ferai en... Je la ferai en live aussi, ça fera... Je pense qu'on se fera en live avec les courses, parce que du coup, il me manque les deux courses de... Sur... Du coup sur le biome marais, et il me manque les courses aussi sur le biome lune. Donc j'ai fait les courses sur le biome froid. Et j'ai fait les courses ailleurs ou pas? Je m'en vais plus. Ah, je suis dégue, la dernière. C'est le monde marin. Le truc ça en alpha, il me manquait que 5 secondes et je l'ai réussi. Ah merde, ça c'est un peu les boules. Mais c'est chaud quand même, hein, les. Bon, y a pas de veine là. Franchement, j'ai pas de bol, hein. Quand je veux faire des veines avec vous, j'en trouve pas. Y en a pas. Bon, y en a peut-être, mais je les trouve pas. Surveille un peu.
y a un drop là-bas. Mais bon, vu où c'est placé, là-bas c'est drop rouge. On va aller voir quand même. Là-bas, c'est les drops rouges. Rouge ou violet? Ah non, c'est un jaune. Ok. Généralement, ici, on a du rouge ou du violet. Là, c'est pas mal parce que du coup, ils peuvent arriver que de ce côté ou de l'autre. Derrière, ils peuvent pas arriver par derrière. Qui me fait lui. Hop. Voilà. Allez, on va remonter. Yop là. On va remonter, j'ai dit. On va aller voir par là-bas. Reprendre un peu la stam. J'ai pas de veine pour les veines, non. Voilà, quand, après, encore faut-il qu'il y en ait une. Hein. La dernière fois, j'ai essayé de faire une. Ouais. La dernière fois, j'ai essayé de faire une veine à 25 000 tout seul, mais j'ai un peu trop tapé la veine. Une veine ici. Il y a moyen. Ouais, ouais, bah oui, mais bon. Allez, là, il y a une veine. Ça va être une 25. Ouais, c'est une 25 000. C'est une veine à 25 000. Je sais pas si on se la tente. Dernier essai de ma course, j'arrive. Ouais, ok, ça marche. Je suis à côté, je ne bouge pas, comme ça elle dépop pas. Oh, je sais pas ce que t'es à côté qu'elle peut dépop, hein. Qu'elle peut pas dépop. Oh, normalement. Sur Arc, le normalement, il savait plus rien dire. Ouais. À deux, ça se tente une 25. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, sans souci. Non, mais une 25 000, j'en ai même déjà fait une en solo. Ouais, mais moi, j'ai essayé en solo, mais il y avait trop d'entrées. Il y avait trop de... Il faut qu'elle soit relativement bien placée pour être tout seul. J'étais à côté du biome aberration, il n'y avait que deux entrées. J'ai mis 2 giganos sur l'une des entrées. Ouais. Et sur la deuxième entrée, j'étais. Ah, c'est vrai que moi j'avais juste 1 gigano. Enfin, oui. C'est vrai que j'aurais pu mettre 2 giganos en neutre et du coup. Ou en attaquer la cible. Et du coup, il serait allé les faire. Bon, du coup, on va se faire... oui, à deux, ça se tente. Ça, sans souci. Au pire, détruit là pour faire un spawn. Bah écoute, vu la quantité de veines que j'ai vues tout à l'heure, je préfère attendre et puis qu'on la fasse à deux. Ah, attendez, j'ai Monsieur Archdrooms qui m'a envoyé un MP. Ah, d'accord. Monsieur Archdrooms est fatigué ce soir, donc pas de souci. No problemo. J'ai réussi en mode gamma, bêta, je veux dire. Cool. Moi, je l'ai fait en mode gamma, la course avec les machins, là, les bootstalker. Mais du coup, il faut que je m'entraîne. Il reste 15 secondes, du coup. Mmh. Encore un peu compliqué pour l'alpha. Ouais, il ouais, faut que je m'entraîne moi aussi. Du coup, la veine, elle est au sud, elle est en 70-40.
Elle est en 70-40. Là, je suis chez moi, juste le temps. Ouais, pas de soucis. No problemo. Le bouclier tech, il marche pour les loot et les veines. Ouais, mais on avait essayé la saison précédente un bouclier tech. Et c'est un peu de la merde, en fait. C'est un peu de la merde. Mais tente-le, hein. Bah, c'est pas ça, c'est que le bouclier tech, il survit pas très longtemps. Ouais, non. Oui, le supply, le supply violet. Effectivement, il faut faire un minimum de 8 tours. Mais la semaine prochaine, tu veux. Voilà, il y a un nouvel épisode. On le réussit. C'est la fois où on l'a fait ensemble. Ouais. Et du coup, je le mets sur YouTube la semaine prochaine, l'épisode. C'est le suivant. C'est le suivant. Ouais, pas de souci. J'avais rectifié nos problèmes. Ah, faut que j'arrête de dire ça, nos problèmes, c'est nul. Ouais, je le dis aussi. Ouais, mais là, je le dis trop souvent, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un truc que je dis assez facilement. C'est quelque chose que je dis assez facilement. Ah, un petit spino. C'est pas de quoi faire. Regarde, je suis là. Viens. Il m'a vu. Il m'a pas vu. Oh merde. Bon, laisse tomber. Elle a des pop la veine. Elle s'est cassée toute seule. Ah. Ouais, ouais. Bon, on va en chercher une autre. Pas de soucis. Elle s'est cassée sous nos yeux, les gens. Je suis maudit. Allez, on va chercher notre. Ça, moi j'ai eu exactement la même chose cet après-midi avec une veine à 50 000. Ah merde. Ouais, bah une veine à 50 000. Je sorte un gigano. Ouf, disparu. Ouais. Mais bon, moi une veine à 50 000 tout seul. À deux, oui, mais tout seul. Je crois pas. Enfin, j'y crois pas trop. Non, là je suis au sud. Je suis en train de refaire le tour. Ouais. Ça marche. Alors, normalement, il peut y en avoir une dans le coin. Yop. Dernière fois, j'en avais une par là. Mais là, il y en a pas. Bon, du coup. On va aller un petit peu par là. C'est quoi ça? C'est un Rex ou un... Ouais, c'est un Rex. Pff, des cœurs, j'en ai un peu. Ben, à 50 000. Ah! Où ça? Vas-y, dis-moi, j'arrive tout de suite. C'est au nord, juste au-dessus de la carcasse. Ok. Il y a deux accès, par contre, j'ai que un seul gigant. Bon, ben moi aussi, j'en ai qu'un, donc il n'y a pas de souci. On se met chacun à un côté, puis zoom. Let's go! J'attends en 38. En 29-47. 29-47. Okay. Je la garde en visu, mais pas assez pour qu'il y ait des dinos qui l'attaquent. Ouais.
Alors là, qui recasse la voilà. Ouais, je vois où elle est. Je vois où elle est. Je vais prendre ma stam. T'as pris une mantis. J'ai une mantis, ouais. Alors tu m'as dit 29,47. Ouais, c'est par là. Derrière la grosse carcasse. Je suis exactement sur la gauche, à gauche de la carcasse. Oh, c'est bon, je la vois. Tu es passé à côté. Ouais, ouais, je te vois. Je prends le sud et toi, tu prends le nord. Ça marche. Attends, le temps de faire pop tout le bordel, là. Tac, du coup, lui, on va le mettre là. Hop. Ah, flûte, j'ai oublié de prendre des selles de Vélonazor. Ah. Est-ce que j'ai des choses à récupérer, là? Pff, tant pis, bon. Ce sera ça. Voilà, ça, éventuellement. Ouais, allez, hop, on s'en fout. Bon, bah allez, c'est parti. Donc, je vais au nord, tu vas au sud. Je vais aller au nord. Bon, je me positionne là alors. Oui. Ça marche. Donc là, on va aller. C'est assez tendu. Bah, je viendrai te donner un coup de main parce que là, il me semble qu'avec Archdrome, on l'avait fait celle-là en 50. Et une fois que moi j'avais fait mes. Une fois que j'avais fait mes dinos, je pouvais aller, venir lui donner un coup de main. Donc, du coup, faut peut-être aller la déclencher. Marc, là, elle va se déclencher à un moment donné. Elle va se déclencher toute seule, on est à côté. Allez, hop, on va se boire un coup. Comme ça, c'est fait. C'est parti! Oh, bonne nuit, Lali! Le stream qui est freeze. Ah, le stream freeze, exact. Voilà, c'est en train de se remettre. Là, je peux pas faire grand chose. Ça arrive de ton côté, ça arrive du mien. Ouais. Allez, vague 0, c'est fait. C'est un nouveau giga. Ouais. Il est un peu flashy. Tu as des spinos qui arrivent de ton côté. Ouais, ouais, je sais. Ah non, c'est du mien. Ouais, c'est du tien, ils vont arriver du tien. Merde, attends. Ah, ça m'a distrait. Attends. Bon, je retomberai après là-bas. On ira après sur la veine. Ça va aller, ça va aller. Allez, après on se rapprochera de toute façon. Waouh! Ah oui, il y a du monde là. Il faut juste se mettre un peu à distance pour pas taper la veine principale. Les veines secondaires, on s'en fout un peu. C'est quand même un petit rempart. Ouais. Voilà, c'est bon. Bien.
à moi, ça va pas tarder. Après, je me mets au plus près et puis voilà. Hein. Tu vois, après, je me mets ici et puis je compte. Ah, il y en a un derrière moi. Te viens d'où, toi? Hein? Il y a Bob littéralement derrière toi. Ouais, j'ai vu. Oh, il y a un giga de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Je voudrais éviter d'aller de ce côté. Alors, 44 000. Eh, on a quand même pas mal perdu. Hein. Il faut que... Bon, après... Waouh, c'est quoi qui est venu, là? Ah, mais c'est l'autre, là. Putain, mais il vient, il attaque direct le truc. Attends. Deux hostiles. Ouais, bah, j'en ai un juste là. Voilà. Oh merde, j'ai mis un coup à la veine, je crois. 2400. Ouais, Ah, j'ai mis un coup à la veine, ça fait chier, putain. Moi, que le gigano corrompu, je serais tenté d'aller de bec avant que ce soit lui qui vienne. Bah, peut-être, ouais. Tu veux qu'on aille? Bah, pff, ouais. Vaut mieux qu'il y en ait un qui reste à côté de la veine. Si tu veux, je peux y aller. Pas de soucis. Ce sera la prochaine vague. Je crois que j'ai trouvé le dernier. Ouais. Ah oui, il est là. Positionne-toi rapidement. Parce que ça va arriver. L'objectif, c'est qu'il reste au moins un PV sur la veine principale. Après, le reste... Allez, hop. Donc, ça commence à arriver de mon côté. Allez, hop. Ah putain, mais je suis trop loin du coup. Je me rapproche un peu. Non. Ah putain. Je me rapproche. Putain, je suis pas bien positionné pour lui. Si, c'est bon. Putain, je crois que les 800 et tout, c'était sûr. Je touche pas de là. Ah, quand même. Bon, mon côté c'est bon. Allez, je vais me remettre de travers. Du coup, je vais mettre un peu plus près. Reste des hostiles, mais je sais où ils sont. Ouais, ils sont pas de moi. Ah ouais, ils sont là-bas. Ah, moi j'ai bien dû gagner un niveau. Hop, c'est parti. Il y en a un qui a disparu. Je garde ça. Allez, je vais garder ça. Il en est où au niveau vie? Ça va, j'ai quasiment rien perdu. Allez, on va jeter tout ça.
Oh, merci. Donc, la veine, elle est à 36 000. Putain, ouais, il faut qu'on se gaffe. Hein. Ouais, là, il faut vraiment se gaffer. Parce que du coup, on a fait quoi? On a fait deux vagues. On va attaquer la troisième. Ouais. 3, 4, 5. Il reste 3 vagues. Ouais, faut vraiment qu'on se gaffe. Merci MagmaSombre59 pour ton follow. Ouais, c'est ça. C'est les gigas. Bon, c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut vraiment se tenir à distance. Et c'est vrai que là, les gros dégâts qu'ils ont pris, c'est nous. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est nous qui les avons mis. C'est quand ils veulent, hein? Bah, il en reste un. Il en reste un, ouais. Ouais. Et la veine, elle a pris 15 000. Elle a pris 15 000. Du coup, moi, je vais rester par là. Hein. Là, peut-être lui. 80. Ouais, non, je pense pas que ce soit lui. 80, c'est trop bas level. Ouais, ouais. Bon, après, au niveau du live, j'ai moins de pertes, j'ai des meilleures perfs le matin, vu qu'il n'y a que moi qui suis sur la connexion. Là, je pense qu'il doit y avoir mes deux enfants dessus, qui sont en train de jouer. Donc, c'est pour ça que des fois, ça lag un petit peu. Et là, je ne peux pas y faire grand-chose, sauf à leur couper les vivres. Tu as la fibre, j'espère que c'est pas ça, parce que ça serait vraiment une très mauvaise fibre. Non, mais bon, de temps en temps, j'ai des pertes de trucs. Mais je pense que je remettrai pour le prochain live, je vais remettre à... là, je me suis mis à 1080, je vais me remettre à 720. Parce que je pense qu'au niveau du live, ça doit pas faire grand-chose. Oh, t'as mis un coup si sur... C'est à cause de la qualité, c'est plutôt parce que ton PC n'y arrive pas à encoder. Ah, peut-être aussi, ouais. Ouais. Non, que parce mien, que... J'ai un PC quasiment de compète et je peux pas faire du 1080 avec Full Ultra. Ouais, le prochain, je le mettrai à 720. Allez! C'est quand ils veulent. Je sais pas où il est l'autre. Doit être coincé quelque part. Bon, de toute façon, au bout d'un moment, il dépop. Hein. Ce qu'il faut juste pas, c'est que... En fait, je voudrais aller faire le gigano, mais j'ai peur que si j'y aille et que j'ai pas le temps de revenir avant la prochaine vague. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Non, non, il vaut mieux rester, hein. Il vaut mieux rester. Là, la bestiole, elle doit être coincée quelque part. On sait pas trop où. Squid 4. C'est quoi, ça? Les petits bouts, ils survivent pas longtemps, c'est clair. C'est clair que les petits bouts, ils survivent pas longtemps. De toute façon, le plus gros de ce qu'on veut, c'est sur la grosse veine. Hein. Bon, je vais peut-être aller faire un petit tour aussi, moi, pour voir si... marche pas comme ça, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui marche pas comme ça? Ah, juste au moment où on s'éloigne. Allez. On va rester par là. On va se zioter. Ah, ok.
Une viverne, une. Deux vivernes. Oh oh oh. Non, il y a la toile. Ah putain! Je t'ai occupé avec les vivernes. Voilà, ça vient un peu. Normalement, ils doivent venir. Non, ils doivent venir sur moi, normalement. Ah merde, je sais pas si j'ai mis un coup dans la veine encore. Putain, mais j'ai plein de pierres qui arrivent là. 4300, ouais. Ouais, ça fait chier. Et le 800, ça pardonne pas. Bah, ça fait beaucoup, ouais. Fait chier, ouais. Alors, fini. Ok, bon bah cool. Plus une dernière vague. Non, avant-dernière. Ah oui, c'est la 4 sur 5, exact. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Moi, je les attends. Ça vient. Ça vient de là-bas. C'est là qu'on risque d'avoir un tricé en rachis. Faire ça. Ah punaise. Il est où? Là-bas derrière. Je pense qu'on est pas mal là. Dernière vague des 33 000. Ça va aller, ça va aller. Si on continue comme ça, ça va être bon. Ça va le faire. Tu prends IoT, tu crées sur les corrompus, ils viennent tous. Merde. Je sais pas si la lumière. Bon, elle va revenir. Fasse gaffe à ce qui arrive dans mon dos. Ah punaise, il y en a plein qui arrivent. Bon, là je peux pas bouger pour l'instant. Waouh, 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 waouh. Allez, allez, venez sur moi, venez sur moi, venez sur moi. Pas de soucis.
pas de soucis en tank. Pas de soucis en tank. Par contre, il faudra que je suis un peu loin. Allez, c'est bon. Merde, j'ai encore mis un coup. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va récupérer 1, 2, 3 trucs. La vache. Ok. Il en reste ? Cinq hostiles et 38 000 points de vie. 5 hostiles ? Ils sont où ? Ouais. Là-bas, derrière la montagne, ils sont coincés. Eh ben allez, on y va. J'aime bien quand ils se coincent. On en a eu 3. Il en reste 1. Ok, je suis pas compté. Où est le dernier? Ah si, je sais où il est. J'en vois un qui tape sur une... bon, c'est une petite merde. Ah oui. Ah, du coup, il y a des veines là. Faut que j'y aille tout à l'heure. Bon, là, c'est quasi fait. Hein. Il reste un hostile. Il va pas lui mettre 30 000 points de vie. Hein. On l'interceptera avant. Ouais, super. Cool. Ben voilà, c'est fait. Du coup, eh ben, on va sortir... On va sortir ça. On va lui mettre les pinces et on va faire les veines secondaires déjà. Je te laisse surveiller un peu tout. Il me semble qu'il y en a de l'autre côté aussi. Dans mon inventaire. Ouais. Tu me dis si j'en loupe. Il me semble qu'il y en a de l'autre côté aussi. Mantis, ça grimpe un peu partout. Ouais, il y en a là. Hop. Je crois que tout ce qui reste, c'est des petits trucs par-ci par-là. Ouais, mais je crois qu'on a tout fait. Je crois qu'on a tout fait, il me semble. Tu vois d'autres petits morceaux, non? Ouais, un de mon côté. Entre les arbres. Ah oui, exact. Putain. On va voir celle-là. Bah, je crois que c'est bon. Hein. Tu as fait celle qui avait là-haut? Ouais, j'ai fait celles qui sont derrière, ouais. Bon, bah, du coup, je pense que c'est bon. Allez, on va attaquer la veine principale. Allez, 925 éléments, des fragments. Du coup,
Alors, je vais séparer en deux. Alors, on a combien? On va faire le partage. Je vais rassembler les trucs. Tac, tac, tac. Du coup, alors, moi, je vais me prendre... combien on a? Donc, 6. 1, 2, 3, 2. Comme ça, je te laisserai dans le... Ça, on va acheter ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Alors, du coup, les éléments. Avant de remettre le gigano en cryopode, je voudrais voir si elle fait combien la veine qui apparaît pendant qu'on faisait celle-ci. Ah, oui. Alors, attends. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4. Plus la moitié. Plus la moitié. Ok. Donc ben, ce qu'il y a dans le... Faut juste la trouver, mais c'est bien. Tu as entendu quand il a fait le bruit? Ouais, peut-être. Tiens, tu peux prendre ce qu'il y a dans la vie, ce qu'il y a dans le dans la mantis, c'est pour toi. Oui, ça fait 300 de poids. C'est un peu lourd, ouais. Hop. On va mettre la mantis dans la Pokéball. Hop. Du coup, ça, on va le mettre dans le giga. C'est ça qui pèse lourd, en fait, c'est la poussière. Du coup, t'avais repéré une autre veine, c'est ça? Je l'ai entendu, pop, j'ai pas vu. Ah, vous êtes riche. les veines à 50 000, généralement, c'est 1000 éléments. C'est autour de 1000 éléments, donc c'est sûr que ça vaut le coup. C'est pour ça qu'on veut faire des veines à 50 000. Et puis avec 2 gigas, c'est faisable. Hein. On se met chacun d'un côté, et puis voilà. Avec 2 gigas, c'est faisable. Ah, là, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de tricé enragé. Ouais. Mais même, tu le bloques, et puis, c'est bon. Bah écoute, je vais pas trop traîner parce qu'il y a un deuxième gigano. Ouais. Mais non, je la vois pas. Mais normalement, si on l'entend, c'est qu'elle est tout près. Pas forcément. Si, si. Si? Si tu l'entends popper, c'est qu'elle est juste à côté. Ouais. Moi, je l'ai pas entendu, hein, donc... Ça change le nombre d'éléments selon le multiplicateur. C'est-à-dire, quel multiplicateur tu parles? La difficulté, oui, ça change. Ah! Ah, sans doute, oui, sans doute. Ah oui, plus tu as... Comme c'est une ressource qui se récolte et aussi le multiplicateur de récolte qui change aussi. Mmh. Ça me semble logique. Bon, du coup, t'as pas trouvé? Non. Okay. Elle a du... Ouais, peut-être. Du coup. Bah, moi, je vais rentrer en gigano. Parce que là, je suis un peu lourd. C'est pas très loin en plus. On va se faire une petite balade en gigano. Multiplicateur de farm, ouais, sans doute. Sans doute, sans doute. Je suis aussi... Ouais. Bon, après, je pense que mon managarm il peut tout porter, mais voilà. Je sais pas non plus. Qu'est-ce que tu jettes?
Ah, oui. Allez, on arrive à l'entrée là-bas. Alors, le Gigano, c'est pas les champions de la Stam. Hein. On va arriver à la maison, mais tout doucement. Ah, c'est bon, je peux passer par là. Ils aiment pas trop les chutes non plus. On est riche, ouais, c'est ça. C'est clair. Ah, mais je vais pouvoir déjà en mettre un peu dans mon générateur tech. Bon, après, je mets des fragments d'éléments. 100 fragments, c'est un élément. Je pourrais mettre des éléments tout court, hein, mais bon. Je préfère mettre des fragments. Par contre, il est 22h30. Ouais, ouais. Bah, je pense que je vais pas tarder non plus. Je vais pas tarder non plus. Hop. On va monter par où? On va monter par où? Je te donne de monter par là où je vois sur ton écran. Parce qu'il y a une chute juste derrière. Ouais, non, non, mais je peux monter par là-bas, en fait. Bon, c'est impressionnant, quoi. Là. Mais non. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Allez, ouais, je pense que là, c'est bon. J'en ai un peu marre du Gigano. Allez, on va essayer de... Il y a la que je vienne et que je te donne un coup de marre. Non, 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 ça va aller, t'inquiète. Je vais prendre... Mais... Attends, je vais monter dessus, ça ira plus vite. Là, je suis chez moi. Je vais prendre ça, ça... Ça... Et puis tout le reste, on jette. Tac. Et du sûr, pas besoin d'Akuma. Non, non, ça va aller, t'inquiète. Du coup, ça, je mets tout ça là-dedans. Je regarde ça et ça. Non, non, le mon truc, il va pouvoir le faire. Je vais garder ça sur moi. Allez, on sort le managarme. Viens là, toi. On prend tout. Ce qui est bien avec l'armutech, c'est que même chargé à mort, on continue d'avancer. Allez, monte. Attention, voilà. Parce que plus il est chargé, plus tu utilises d'éléments. Ouais, non, mais j'ai juste fait deux pas, t'inquiète. Je suis pas allé bien loin. Voilà, on va se prendre ça. Ici. Et voilà. Voyez, regardez, le managarme, il n'est même pas chargé à fond. Et puis, on va le mettre en... On va mettre le giga en boîte. Oh, putain. Pff, il a même pas branché. Je suis même pas la peine de le sortir pour qu'il conserve... Pour le faire régène. Elle est où la maison? Là-bas, je crois. Yes. Eh ben voilà. Bon, sur ce, moi, je vais te dire bonne nuit. Ouais, ouais. Bah, je pense que on va se quitter là aussi. Parce que du coup, je pense que les gens dans le live, ils veulent peut-être aller faire dodo aussi. Bah, je te remercie de ta visite, grand Mick. Puis du coup de main pour la veine à 50 000. Ouah, ça lag là. Tac. Alors, on va juste prendre ça dans un premier temps. Et ça. On va venir. On viendra chercher le reste après. Hop là. Ah. Punaise. Eh bien, à plus, les trois Dali. Merci d'être passé, c'était sympa. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis donc à bientôt.
Ta maison, on dirait un hôtel. Ouais, c'est ça. Bienvenue à l'Hôtel California. C'est une chanson. L'Hôtel Béraud. Voilà. Ah, c'est, on sent un peu mieux hein, quand il y a une ligne de fête. Hop. Du coup... oui, c'est bon. Tac. On va aller ranger ça sur l'amplificateur. Bon, je n'avais déjà un peu d'éléments. Hein. Je suis passant. Du coup, je dois en avoir une certaine quantité. Alors attendez, on va regarder. On va tous les prendre. Bah ça m'en fait 12. Ça me fait 1200 éléments, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ça part vite quand on fait des trucs tech. Ça part vite. Bonne nuit Arthur, merci d'être passé. Moi je termine de ranger. Ça fait un peu comme à la maison, tu sais, le gars. Après la soirée avec les copains, et ben les copains partent et puis toi tu. Ouais, tu restes, tu vides les cendriers, tu ranges un peu la maison, histoire de que le lendemain quand tu te réveilles, ben, ce soit pas trop le bordel. qu'est-ce qu'il me reste encore? Ça, je mets là-bas dedans. Hop, liqueur, ça, ça. Ça, je le mets là. Tac. Et ça, je le mets là. Ouais, il faudra peut-être que je mette. Je le mets là, mais ça va périmer de toute façon. La bouffe, on va la mettre là. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, c'était pas mal. La prochaine fois, bah, on va continuer. On va terminer la volière en fait. Et puis, on ira se faire des petites courses. Parce que, comme il m'en manque. Bien, 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 bien. Bah écoutez les amis, moi je vais vous dire bonne nuit, à bientôt. Donc merci d'être venu sur le live, d'avoir participé dans le chat, c'est super. J'espère que voilà que ce live vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à parler du live à vos amis. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Arc Cluster. Normalement, on est quoi? On est mardi. Donc jeudi matin, je le marquerai dans le programme. Jeudi matin donc et vendredi donc jeudi matin, vendredi matin, samedi matin, dimanche matin de 10h30 jusqu'à midi, midi et demi, on verra. Live sur Horizon. Et jeudi soir, live sur Arc. Et puis après vendredi, je crois qu'on a quelque chose de prévu avec la team. Donc ce sera épisode. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.